sommes les hommes de demain. Pour nous, tous les rêves sont permis, tous les espoirs aussi. Vous nous avez donné la vie, vous nous devez un peu d'amour. On ne demande pourtant pas grand-chose. Un peu moins de promesses, un peu plus de bonheur. Un monde un peu moins fou, un monde un peu meilleur. Toi qui tiens dans tes mains nos désirs et nos destins, le pouvoir de changer nos lendemains. Si ton cœur s'ouvre un peu à la pluie qui mouille nos yeux, aux blessures de notre planète bleue, tu sais, tout peut changer, il suffit d'un peu de volonté. De fraternité, change le monde, et Dieu fasse qu'un jour les feux de l'amour nous laissent entrer dans la roue. Prends tout de la planète, en mourir de chaîne se serrer, que rien ne puisse jamais. Qui sait que les mots prononcés sont des couteaux dans les mains de tous les maçons d'espoir. Les promesses qu'ils nous font depuis des générations sont les ombres de nos rêves sur fond de brouillard. Tu sais, tout peut bouger, il suffit de partager. Et tous les autres qui nous rejoignent sur cette rediffusion de la classe de mer de l'école Notre-Dame de Besse. Au sommaire de ce journal, les activités nautiques, les visites, les sorties et la vie quotidienne au centre, en passant par les veillées et autres animations du séjour. Nous commençons par un premier reportage sur le canoë présenté par notre envoyé spécial François Charouin. Oui, tout à fait, ma chère Laetitia. Roland nous a expliqué comment faire du canoë. Nous avons chacun une baguette et il faut bégayer dans le même sens pour faire avancer le canoë. Ah.
mise en avant dans ce journal, arrêtons-nous au centre La Garenne qui nous reçoit. Reportage Péril. Situé sur un rocher dominant l'océan, le centre La Garenne bénéficie d'un point de vue privilégié qui profite à tout le monde. Les élèves en classe de mer de mars à juin et de septembre à octobre. Pour les familles en maison familiale de juillet à septembre. D'une capacité de 100 lits en chambre de 3 à 5. L'association Vie et Créativité offre une restauration de qualité avec de multiples activités nautiques et de découvertes. De Pornic à Prigny, en passant par l'ostréiculture du pays de Ré. Roland, directeur du centre La Garenne, met à votre disposition une maison confortable. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien les huîtres. Reportage sur l'ostréiculture avec Lydia. Oui, c'est moi Lydia, en direct des parcs à huîtres de la Bernerie Henri. Les huîtres grandissent dans les parcs à huîtres délimités par des bâtons sur des collecteurs naturels ou artificiels. Dans les mois sans la lettre R, mai, juin, juillet et août, les huîtres sont laiteuses pour se reproduire. Quand elles sont adultes, on les détroque, on les sépare les unes des autres. Une fois nettoyées, on les calibre de 1 à 7. Plus le chiffre est petit, plus elles sont grosses. Elles arrivent dans notre assiette à l'âge de 4 ans. Regardez bien, vous voyez, vous avez tout un tas de petits bouts de bois là, vous voyez les piquets qui sont larges là, vous avez qui sont même très loin, que vous apercevez à peine. Tout ça, ce sont des limites pour les parcs ostréicoles. C'est là que l'ostréiculteur va récolter les huîtres. Alors comment ces huîtres vont-elles naître dans ces parcs? Eh bien d'abord, il va y avoir la libération de tout ce qui est des produits reproducteurs. Et dans ces produits reproducteurs, vont naître des petites larves qui vont se poser ensuite, soit sur des collecteurs artificiels que les ostréiculteurs auront mis sur des tables aménagées pour, soit sur les rochers qui sont des collecteurs naturels. Et quand les petites larves sont collées dessus, elles forment une petite coquille et ça devient des huîtres. Thank you.
toi. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Huître Creuse. J'ai 4 ans et j'ai grandi ici, dans le pays de Ré, dans ces parcs ostréicoles. Tu sais, pour Noël, ça sera ma fête. Mais il me tarde pas trop, hein. Je suis en pleine forme aujourd'hui, grâce à l'ébulleur que tu viens de voir. J'ai de l'oxygène, comme je veux. Tu sais, je peux devenir une huître très réussie grâce à ce système. Mais sois gentille, ne me mange pas tout de suite. J'aimerais bien rejoindre mes copines pour Noël. Elles s'appellent Huître Fine et Plate. Elles m'attendent à leur table. Allez, salut toi. Nous poursuivons notre journal avec un sujet sur la classe présenté par Franck. Avec ce séjour en classe de mère, il est normal d'écrire à nos familles. D'abord pour les rassurer en leur donnant de nouvelles. Voici quelques images de nos reportages. Salut maman, nous sommes bien arrivés en classe de mère. Mes copines se plaignent car je ronfle. Le soir, quand nous sommes allés à la table, il y a de la soupe. Nous avons appris à diriger un canot et nous sommes promenés sur la plage. Aujourd'hui, à 4 avril, nous... Chers parents, le voyage s'est bien passé. Nous sommes arrivés à 19h. Le soir, nous sommes allés nous coucher et Laetitia a ronflé toute la nuit. Le lendemain matin, nous nous sommes promenés sur la plage et l'après-midi, nous avons fait du canoë et Laetitia a encore ronflé toute la nuit jusqu'à présent. Bonjour tout le monde, je m'amuse vachement bien. Le soir, je m'ennuie un peu et des fois, on n'arrive pas à dormir parce que Laetitia, j'ai un ronfle très fort. Et j'ai oublié de te dire qu'on a fait 24 km, j'espère que Belle va bien. Bon, je te laisse, bisous. Bonjour chers parents, trop cool la classe de mère. Moi qui n'ai pas trop sportive, j'ai fait 24 km et j'ai perdu au moins 3 kilos. Je m'amuse bien, sauf la nuit parce qu'il y a Laetitia qui ronfle. On a ramassé des crabes, des poissons et des escargots pour faire un aquarium. Trop bien. Bon, je vous laisse. Chers parents, le voyage s'est très bien passé. Nous nous sommes amusés toute la nuit. La mer est soit basse, soit haute. Ce matin, nous avons fait un aquarium dans le restaurant. Il y a une dizaine de crabes. Chers parents, j'aime bien le canoë et le kayak. Bientôt, on va apprendre. Chers parents, j'ai fait du canoë et je suis tombée à l'eau qui était fraîche. Nous avons fait un aquarium. Après les repas, nous balayons le restaurant. Le jeudi 3 avril, nous avons visité le port de Pornic. Nous avons vu un magnifique coucher de soleil. Chers parents, le voyage était un peu long, mais ça s'est bien passé. Arrivés en classe de mère, nous avons découvert l'ostréiculture et l'après-midi du canoë. Le lendemain, la marche jusqu'à Pornic. La sortie à Pornic, c'est une journée sympa qui nous attend. Reportage Alexandrine. Cette journée sympa a commencé par une superbe balade de la Bernerie à Pornic. Par le chemin des douaniers où nous ferons étape par deux fois. Avec la découverte d'un tumulus et dolmen où Jean-Claude nous parlera de leurs histoires.
arrivés à Pornic, le pique-nique au jardin public. Ensuite, Roland nous parlera de Pornic, de sa géographie et de son histoire. Avec notamment Gilles de Rais, la croix des Huguenots. Nous terminerons cette journée par la visite du port où Roland nous parlera des différentes formes de pêche. Allez, assez de parlotte. Voici quelques images et en musique, s'il vous plaît. Bien, vous êtes ici en présence pour notre première étape d'un dolmen. Vous voyez cette grosse pierre, en fait c'est une pierre tombale de l'époque de la préhistoire. Pour bien situer cette époque-là, on parlera de la période du néolithique. Alors néolithique ça veut dire quoi? Néo ça veut dire nouveau, lithique, pierre, nouvel âge de la pierre. C'est-à-dire que les premiers hommes qui ont été capables de faire ça, ils savaient déjà cultiver la terre par exemple. Ils étaient aussi pêcheurs évidemment, ils étaient le long de la baie de Bourgneuf. Donc néolithique, vous retenez ça, ça remonte à peu près à 2500 ans avant Jésus-Christ. Voilà le château qu'on appelle le château de Gilles de Rais. Il a appartenu à Gilles de Rais. Gilles de Rais, c'était un personnage très spécial, avec du tout bon et du tout mauvais. Et bon, Gilles de Rais, ça a été un personnage qui a pris des châteaux, qui a lutté contre, ça se passait pendant la guerre de Cent Ans, qui a lutté contre les Anglais et qui a eu énormément de victoires. Il a même été, figurez-vous, lieutenant de Jeanne d'Arc. Et puis, finalement, surtout vers la fin de sa vie, qui n'a pas été très longue d'ailleurs, quand il se retrouvait du côté de Moscou, qu'il avait été disgracié quand Jeanne d'Arc a été brûlée vive, vous vous rappelez de ça, hein? Eh bien là, il a perdu un peu la tête. Il est devenu comme fou, si on veut. Il buvait, il tuait des enfants. Et il a été arrêté, il a été condamné. Et puis, voilà, il a laissé quand même un souvenir à la fois glorieux par ses victoires sur les Anglais et lamentable par toute sa magie, tout ce qu'il faisait de mal contre les enfants, puisqu'il en a tué presque 200 quand même. Hein? Et toi, c'est le château de Gilles de Rais, tu sais, le compagnon d'âme de Jeanne d'Arc? Moi, ça c'est le bon côté. Mais comme dirait Roland, il y a l'autre facette, le bourreau d'enfant, Barbe Bleue. N'importe quoi, Barbe Bleue n'a rien à voir avec Gilles de Rais, c'est une histoire à inventer, mais c'est tout. C'est ça, prends-moi pour une imbécile. Et tu vas me dire aussi que Barbe Bleue, c'est le papa des Schtroumpfs. Mais t'énerve pas, même les adultes se trompent. D'accord, papa. Mais dis-moi, en attendant, tu pourrais m'offrir une barbe à papa? Elle est bonne celle-là, Barbe Bleue, barbe à papa. T'es une comique, toi, tu sais bien l'argent des autres. Vous savez qu'il y a différentes sortes de pêche. Il y en a une que vous connaissez bien, c'est la pêche à la ligne. Eh bien, des fois aussi, on pêche à la ligne avec un bateau. Mais alors, on a des très gros hameçons et on va pêcher, par exemple, le congre avec. Ou bien alors, des fois, pour pêcher en mer, on va prendre des casiers. Et dans ces casiers, avec ces casiers, on va prendre soit des crabes, des langoustes, des homards, hein, ou des gros crabes.
Ou bien alors, on va prendre un filet, mais ça c'est surtout l'hiver, un filet très fin, et on va pêcher la civelle avec. Ce sont des toutes petites anguilles, et ça coûte très cher. C'est surtout acheté d'ailleurs par les Espagnols. Ça coûte presque 2000 francs le kilo, hein, c'est très très cher. Et alors, ou bien alors, regardez bien, vous avez ici des bateaux. Des bateaux sur lesquels on va traîner des filets qu'on appelle des chaluts. Et le bateau qui traîne ce chalut s'appelle un chalutier. Voilà, différentes sortes de pêche. Oh, t'arrêtes de rêver, faut rejoindre les autres. Qu'est-ce qu'il est beau! Qui ça? Encore François? Mais non, le chalutier! Dis, tu sais pourquoi on appelle ce bâton un chalutier? Non, mais je suis sûre que tu vas me le dire. Regarde ce filet. On l'appelle chalut, d'où le nom chalutier. C'est même un chalutage arrière. Ah ouais! Comme sur la maquette à Jean-Guy, le neveu à Roland. Il a même la maquette de la Marie Morgane. Un chalutier avec un filet sur le côté. Et qu'est-ce qu'il est beau! Ah! Tu veux dire le chalutier? Mais non, Sébastien! Ah, j'y suis! Sébastien, la Marie Morgane! C'est ça, tu comprends vite! Allez, il y a encore 7 km qui nous attendent pour rejoindre la Bernerie. Après le canoë, nos élèves ont la chance de découvrir le kayak. Reportage Anne-Sophie. Connaissez-vous la différence entre un canoë et un kayak? Eh bien, c'est très simple. Dans un canoë, vous êtes à genoux avec une simple pagaie et dans un kayak, vous êtes assis avec une double pagaie. Bon, plus sérieusement, nous écoutons les explications de Roland avant une démonstration pratique. Thank you.
coucher, nos élèves ont la chance de participer à une veillée jeu. Reportage Emmanuel. Le soir, avant d'aller nous coucher, entre 20h30 et 21h15, nous profitions d'une veillée animée par Roland et Jean-Claude. Des jeux dynamiques en début de soirée, mais plus calmes en fin de veillée. Des chants. Ce soir, ces grands jeux et chants avec notamment la fameuse Garousse. Bonne nuit les petits, le marchand de sable va passer. Reportage sur le coucher avec François Champé. Le soleil se couche et nos élèves enfantent au teint. Il est 9h30, la plupart sont au lit et ronflent copieusement. D'autres en retard se brossent les dents avec énergie. Enfin, il y a ceux qui ont du mal à trouver le sommeil et qui en profitent pour lire leurs BD et autres magazines préférés. Grâce aux moyens techniques exceptionnels de Télégarène, il nous sera même possible de découvrir les rêves de certains. ¶¶
À défaut d'aller à la messe en ce dimanche, nous participons à une célébration organisée par Roland. Reportage Christophe. En ce jour de dimanche, jour du Seigneur, et les traditions au centre la garenne, de participer à une célébration que nous organisons nous-mêmes en participant à l'animation. Par des chants, des mimes et des lectures. J'étais pris dans la boue du péché, quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive, comme au jour de la source, au cœur du Christ en toi. Comme au jour de la source, au cœur du Christ en croix, l'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du jour d'un. Service, bien écouter les consignes des adultes, prendre ses camarades, être à l'écoute des autres, accepter les conseils, soigner. Venez, on va danser, venez, on va prier, être unis, c'est espérer. Il est midi, c'est l'heure de passer à table avec Christophe. Si nos images avaient des odeurs, vous en auriez l'eau à la bouche dans ce reportage à croquer. Voici quelques extraits de ce reportage.
tous en selle. Nous partons à Prigny. Reportage Laetitia Géin. C'est en vélo que nous avons rejoint Prigny pour y faire étape comme jadis les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Arrivés à la chapelle, Roland nous conta les origines de la bernerie avec Perrault le Bernier. Il nous a appris que Prigny fut envahi par les Vikings et que ces derniers avaient été chassés par une armée dirigée par un moine, appelé le moine blanc Saint Guénolé. Pour chaque statue de saint, Roland nous raconta leur origine. Quel merveilleux voyage dans le temps! Voici quelques extraits. Ah oui, alors, vous êtes donc les enfants dans la chapelle de Prigny. On a dit tout à l'heure qu'il y avait le port Saint-Jacques, qu'il y avait les douves, qu'il y avait un château, et qu'il y avait une hôtellerie pour soigner les pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que ici, c'était un relais pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et alors, en plus, dans cette chapelle, vous avez tout un tas de souvenirs des gens qui sont passés. Vous avez par exemple une pièce là, de bateau, hein, une ancre marine, qui a été laissée par les Vikings. Vous avez là sur le côté une magnifique statue, vous voyez, de Saint Guénolé, qui est le moine blanc, le patron des paludiers. Donc on va aussi vous parler du sel. Vous voyez que c'est très important. Et puis vous avez aussi tout un tas d'autres statues qui vous rappelleront tout un tas de passages, de pages de l'histoire de France. Hé vieux, un bon conseil, pas cette pierre. Ouais, à quel honneur. Eh bien, je te signale que c'est une pierre à cochon. Alors, où est le problème? Si tu ne passes pas cette pierre, tu n'es qu'un cochon. T'es sûr que tu vas bien aujourd'hui? Ouais, oui. En pleine forme, pas comme certains, car moi j'écoute Roland. Vois-tu, au Moyen-Âge, on mettait cette pierre pour empêcher les cochons d'aller manger les morts dans le cimetière à côté de l'église. Ça va? T'as donné ta petite leçon maintenant? Oui, au moins je suis sûre que tu n'es pas un cochon. Ah, ça se voit que t'es un comique, toi. Et t'as vu, c'est la statue de Saint Guénolé, ma préférée. Moi, je préfère Saint-Germain. Lui, au moins, il a fait plus de choses. Évêque, diplomate. Peut-être, mais Saint Guénolé, lui, il a chassé les Vikings. Et il peut nous rendre service aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, si un jour tu ne trouves pas de mari, tu viens planter une aiguille dans le pied de Saint Guénolé et tu trouveras un mari dans l'année qui suit. Fou, imbécile! Si tu crois que j'ai besoin de ça, moi, pour trouver un mari, alors là, tu te trompes. Te fasse pas, je pourrais toujours te dépanner si tu cherches un homme, un vrai homme comme moi. Alors là, tu peux toujours courir, espèce de macho. Ça tombe bien, je sais courir. Voilà, notre journal est déjà fini. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci à toutes les personnes et organismes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de notre classe de mer. Nous disons un grand merci à Roland pour son accueil et sa participation active et enrichissante, ainsi qu'à Jean-Pierre pour ses repas copieux, sans oublier Jean-Claude, notre animateur vidéaste. Salut et à la prochaine rediffusion. Avec le temps, tout s'en va, comme dit la chanson. Mais grâce à ce film, notre refrain sera différent. Par la magie des images, vos magnétos rediffusants donneront à vos regards vieillissants le souvenir d'un passé au centre Lagarenne, à la Bernerie-en-Retz,
du temps d'un certain Roland Clainet. Et comme disait Marin, bon vent. Allez, salut. Tout, 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 tout petit devant toi, Seigneur. Tout, 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 tout petit devant toi. Tout, 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 tout petit devant toi, Seigneur. Tout, 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 tout petit devant toi. Quand l'orgueil malfaisant efface ton regard d'enfant, quand la loi du plus fort casse le petit encore. Quand l'attrait du pouvoir écrase au nom de la gloire, quand le bruit de l'argent te fait convoiter de...